Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de notre émission Jardiner ça fait du bien que nous tournons dans notre petit jardin avec Nicole qui est derrière la caméra et qui vous propose ces très belles images. Alors aujourd'hui, le jardin ça sera plutôt notre véranda. Nous allons parler d'orchidées parce que je suis sûr que vous vous demandez comment faire pour faire refleurir vos orchidées. Et eh bien, c'est tout simplement ce que je vous propose de voir ensemble en détail. Vous allez voir, c'est très facile. Si pendant la belle saison, on sort les orchidées à l'extérieur, au jardin ou sur le balcon, ainsi que je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, c'est pour qu'elles bénéficient des différences de température que l'on constate entre le jour et la nuit. Mais ce n'est pas tout. Les plantes à l'extérieur bénéficient aussi de cette humidité qu'il y a naturellement dans l'air et qu'on appelle l'hygrométrie et qui va faire le plus grand bien à nos orchidées. Alors pourquoi est-ce que l'on fait cela Eh bien essentiellement pour favoriser l'induction des boutons floraux, et eh bien tout simplement pour faire fleurir nos plantes. À la fin de l'été, on n'a pas beaucoup de floraison dans notre collection d'orchidées. Ici dans la véranda, nous avons quand même quelques phalénopsis parce qu'ils fleurissent toute l'année. On a un papiliopegillum qui est le Pinocchio qui fleurit pendant des mois, mais sinon, nous sommes à la période idéale à laquelle on va penser à faire refleurir ces orchidées. Eh bien, pour obtenir la floraison d'une orchidée, il faut absolument qu'elle ne soit pas dans des conditions de température homogènes. Or, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons, où nous avons en permanence autour de 20-22 degrés, et là, la plante se contente le plus généralement à nous produire uniquement des feuilles ceci vaut aussi bien pour des orchidées réputées entre guillemets froides comme les cambrias que pour les vandas comme ici que l'on a sorti tout l'été pour qu'elles nous offrent leur magnifique floraison on va travailler aujourd'hui essentiellement sur les phalaenopsis, puisque ce sont les orchidées les plus répandues celles que l'on trouve absolument partout et qui fleurissent comme vous pouvez le voir autour de moi toute l'année. Lorsqu'un phalénopsis commence à développer sa hampe florale, eh bien, les boutons les plus bas sur la hampe commencent à s'épanouir, à faire leurs fleurs. Et petit à petit, eh bien, tous les boutons qui sont ici, jusqu'à l'extrémité de la tige, vont, eux, donner des fleurs. Lorsque la floraison est terminée, eh bien, il nous reste tout simplement une tige comme ici qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, et qui petit à petit se dégarnit. Et c'est là que le jardinier va intervenir. Contrairement à ce sabot de Vénus dont on coupera complètement la hampe florale à ras de son point de naissance lorsqu'il aura terminé sa floraison, eh bien sur les phalénopsis, on va faire différemment. Regardez autour de moi, j'ai plein de hampe florales que l'on a conservées, et ça parce qu'on espère évidemment vont nous faire de nouvelles fleurs. Si l'on prend pour exemple ce phalénopsis qui est manifestement en fin de floraison, la question est où est-ce que je vais couper l'ample florale Eh bien, on va observer sur cette tige la présence de petits bourgeons que l'on appelle en langage jardinier des yeux et on va essayer de trouver celui qui se trouve le plus haut possible et surtout qui est le plus gros possible. Possible, parce que cet œil est capable, en recevant suffisamment de sève, de nous former sur cette pousse principale une hampe florale latérale. Alors on voit bien ici que ses yeux sont quasiment avortés et n'ont aucune chance d'avoir ce que je vous propose, donc une nouvelle hampe florale. En revanche, si l'on descend légèrement, on a cette partie ici avec un œil qui est quand même assez turgescent. Et donc, je vais couper ici. Si, comme ici, les boutons d'extrémité n'ont pas donné, eh bien, on va essayer de redescendre sur la hampe et de trouver, par exemple, comme ici, un bouton assez prometteur. Donc, je coupe en biseau à l'opposé de l'œil. Et voilà. Sur les phalénopsis, on constate parfois un comportement un peu curieux que je vais vous montrer. Lorsque vous avez taillé la rampe florale, il arrive que la plante, au lieu de produire de nouvelles fleurs, développe tout simplement des feuilles directement de manière aérienne. C'est ce que l'on appelle des keikis. Ces keiki sont tout simplement des bébés phalaenopsis que l'on va détacher, de la plante mère lorsqu'ils auront développé des racines aériennes, parce qu'il est très important pour cette plante qu'elle puisse s'alimenter de façon autonome, et il suffira de les planter dans un petit pot rempli d'un mélange spécial pour orchidées. Mais pour qu'elle développe de belles racines aériennes comme ici, la plante doit être dans un milieu assez humide du point de vue hygrométrique. C'est-à-dire qu'il faut que l'air qu'il y a autour de la plante soit chargé au moins à 60-70 d'humidité. Et pour cela, il y a une chose très simple, c'est de poser les plantes sur un lit de billes d'argile expansée comme j'ai ici qui va être en permanence maintenu humide et par évaporation, eh bien, il va nous dégager de la vapeur d'eau très bénéfique pour la plante. Si nos orchidées sont aussi belles et fleurissent aussi régulièrement dans notre véranda, c'est essentiellement grâce à la lumière. À la maison, il faut donc offrir un maximum d'éclairage à nos phalaenopsis, notamment, mais à l'ensemble des orchidées. Attention toutefois à ne pas les exposer à un soleil trop brûlant et trop direct. Cela signifie qu'à partir du mois de mai, on va placer un rideau translucide pour filtrer la lumière directe. En revanche, dès octobre et jusqu'à fin mars début avril, vous pouvez exposer vos plantes au soleil directement. Attention, la lumière décroît rapidement en intensité à l'intérieur de la maison, donc rapprochez au maximum vos plantes des sources lumineuses, donc des grandes baies vitrées, dans une véranda c'est pas important, tout simplement parce que le soleil vient aussi par le dessus. Et dernier point important pour la floraison et également la bonne santé de nos orchidées, la température. Celle de la maison qui est autour de 18-22 degrés convient parfaitement à condition d'obtenir durant la nuit si possible un décalage de 3 à 5 degrés, donc placer si possible des robinets thermostatiques sur vos radiateurs. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte, que je vous dis au revoir. Nous allons nous quitter maintenant. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que NewsJardin TV, c'est aussi un site internet sur lequel il y a énormément d'informations. Alors n'hésitez pas à rester avec nous régulièrement et à suivre nos émissions. Cela nous fait le plus grand plaisir. Et bon jardinage